Yahoo Dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va s'attaquer à quelque chose de très complexe, à savoir réorganiser, ranger et faire un ordre et une logique en fait dans cette étagère. Cette étagère là, la plus claire, c'est tout simplement ma pile à lire, bon sauf l'étagère ici qui est les éditions Meyan, où il y a tout mon stock Meyan, ceux que j'ai lus, au bout là-bas il y a ceux que je n'ai pas encore lus. Mais sinon, tout le reste, c'est ma pile à lire et donc j'ai besoin de réorganiser ça parce que c'est bordélique. Et surtout, je me suis rendu compte que je n'avais pas mis ensemble sur la même ligne, par exemple, les titres que j'avais listés au 1er janvier que je voulais lire. Chose complètement stupide parce qu'en fait, je suis en train de partir sur des titres que je m'étais pas listé. Et donc, je suis en train de ne pas lire ceux que je m'étais listé. Donc, à la fin de l'année, je vais faire la gueule. Me connaissant, je vais faire clairement la gueule parce que je n'aurais pas lu les séries que je voulais. Donc du coup on va réorganiser tout ça. À la fin je te montrerai quand même ma mangatech, entre parenthèses ma pile à lire. Je te montrerai tout ça en détail, comment c'est organisé, pourquoi je les ai mis ensemble, etc. Et ben voilà, donc j'espère que ça te plaira. Si jamais la partie vraiment rangement va être en muet, donc je te mets un tag code avec la partie vraiment où je te présente la pile à lire. Si jamais ça t'intéresse, tu préfères ça, tu veux juste cette partie là. Mais si tu veux voir la partie réorganisation, rangement, etc. Si t'aimes bien, et ben écoute, je t'invite tout simplement à regarder la vidéo en entier. Voilà, donc c'est tout pour moi. Thank you.
Alors je suis désolée au niveau du son, ça fera bizarre parce que le micro est dans l'autre sens. Mais donc lui je l'ai mis un peu là parce que ben, il me faisait penser aux femmes fortes, même si je sais pas du tout le scénario il me semble. Mais c'est juste pour y penser. Donc là j'ai mis tout ce qui est femmes fortes, les yaoi où c'est en plusieurs volumes, donc c'est ma pile à lire. Ici donc ce sont les yaoi où j'ai que les tomes 1 ou des trucs comme ça. Plus gif plus minus. Parce qu'avant c'était la ligne en fait ici des éditions de Komiku, donc j'ai laissé en fait les titres de Komiku ici. Ensuite donc il y a juste l'étagère Meiyan avec les titres que j'ai lus plus au bout les titres que je n'ai pas encore lus. Donc voilà, rien de particulier. On a donc du coup la figurine par rapport à la série qui est là. Kumakumakuma Beer, sachant qu'il y a une saison 2 qui est déjà apparue au moment où tu vois cette vidéo. Ensuite, ben, on a ces titres-là. Alors là, c'est des séries qui sont terminées au Japon et pas forcément terminées en France ou terminées, peu importe. C'est un peu mélangé, mais c'est ceux que j'aimerais lire surtout l'an prochain. Et j'ai monté ici, du coup, Prisonnier Riku parce que, donc, à Cache Express de Bordeaux, il y a jusqu'au du tome 1 à 14 qui ont été mis aujourd'hui. Donc, en fait, je les ai décalés ici pour pouvoir mettre la suite parce que j'ai donc réservé les tomes 9 à 14. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la petite boîte de trucs fruit basket là, qu'une abonnée m'avait offert. C'est pour garder la place. Et ensuite c'est surtout des titres du coup que j'aimerais... Alors, sauf les deux yaoi, il faut que je les lise cette année, mais sinon c'est des titres surtout que je pense que je vais lire sûrement l'an prochain ou un truc comme ça. Ici ce sont donc les trois titres de Noeve Graphics. Je les ai juste mis là pour eux parce que je ne savais pas où les mettre honnêtement. Voilà. Ici sur cette ligne on a tous les titres que je dois lire dans l'année. Voilà, c'est un petit peu tendu, hein, on va dire ça comme ça. Donc ta copie, je ne l'ai toujours pas déballée ni rien du tout. Amour placebo, j'avais commencé à lire le début du tome 1 mais sauf que j'ai oublié que le tome 2 sort en mai. Voilà, moi le jour où je fume au cas où on est 7 avril. Donc voilà à peu près, ces deux là, enfin ces trois là, ils sont pas vraiment dans ma liste, mais c'était pour mettre tout Akata, tu vois, j'ai regroupé Akata le plus possible pour penser à les présenter. Donc d'autres titres, là c'est surtout ceux là, ils n'étaient pas forcément dans ma wishlist pour cette année, mais comme ils se terminent cette année, je les ai mis là. Donc jusqu'à ici, c'est ce que je m'étais listé, voilà. Et donc là, c'est, après, c'est juste histoire de caser, hein, pour pas qu'il y ait le vide. Ça, j'hésite à le lire, du coup, pour le présenter pour la fête des pères, mais c'est une série quand même en 8 tomes, et ça me fait un peu smooth de rajouter une série en 8 tomes pour cette année. Voilà. Ici, donc là, en rose, c'est un manga en 2 tomes qu'une abonnée m'a offert. Donc comme la série est en 2 tomes, je me dis que j'ai le temps. Donc voilà, elle est pour après. Voilà. Ensuite, l'étagère suivante. Bon, il n'y a pas vraiment de logique, hein, je tiens à préciser. Je n'ai pas beaucoup déplacé par rapport à ce qui était déjà mis comme ça. Voilà. Donc, la boîte de Poki, l'intégralité donc du coup de Chi avec quelques créations que m'a fait l'abonné, Christophe. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. C'était une maxi ouverture de colis d'abonnés. Et voilà ce qu'il y a derrière. Ensuite, ici, ce sont techniquement, j'ai bien dit techniquement, les séries qui sont toujours en cours au Japon. Voilà, donc j'ai mis tout ça. Donc, il y avait Sasori devant. Alors, Princesse Jolie Fille, je sais qu'il est terminé, ne me tombez pas dessus. C'est juste que je savais pas où le mettre et je voulais quand même le mettre en avant. Donc, je l'ai mis comme ça pour l'instant. Voilà, hein, il y a... Bref, donc voilà. Après, Corps Solitaire, je pense que je vais peut-être le lire l'an prochain avec tous les volumes qui seront sortis. Et voilà ce que ça donne au niveau de la ligne. Et pour terminer cette ligne-là, je vais galérer à te la présenter, mais c'est pas grave. Ce sont les séries qui sont terminées, mais souvent, grosse galère pour trouver l'intégrale. Noura, je crois qu'il est toujours dispo, mais il est tellement long que j'ai la flemme. Donc là, en fait, c'est surtout des titres où je vais présenter ce que j'ai, en fait, je pense. Tout simplement, un jour. Mince. Destin parallèle, je sais qu'on peut trouver les trois tomes, j'ai juste mis là parce que j'ai que les deux premiers tomes et je savais pas où les foutre, très clairement. Et voilà, ma petite femme, pardon,
et Mae Butler. Et après, elle attache du coup Yu Yu Hakusho pour tenir le tout. Cette vidéo rangement de ma pile à lire est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas, comme d'hab, on like, on commente, on partage. N'hésite pas à me dire combien tu as toi de manga dans ta pile à lire. Je te retrouve dans bientôt pour une nouvelle aventure. Et donc ma précédente vidéo, une vidéo que je te mets en recommandation, ma tête de panda, pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte LinkedIn et le compte Twitch. Et sur ce, à bientôt.